un gros glove box international, puisqu'on a, on accueille des boxeurs étrangers, notamment deux Géorgiens et un Argentin pour le combat principal contre le boxeur massicois français Yves Taha, qui était champion de France en 2023. Et cette année, donc, on va disputer cette ceinture internationale. C'est la ceinture intercontinentale IBA en 10 rounds de 3 minutes. Pratiquement chaque année ou tous les deux ans, on fait un événement de ce type. L'événement a lieu au Centre Omnisports de Massy. Comme vous avez pu le voir, un début de soirée, Tony Truant, avec des combats amateurs de très haut niveau. La salle est comble, c'est-à-dire que c'est archi plein. Il y a eu 8 combats. Sur les 8 combats, il y avait 7 massicois qui étaient en face. Après l'entracte, on a encore 2 combats amateurs. Et derrière, on a les boxeurs pro de Massy également. Et ce sera le feu d'artifice de la soirée, si je peux dire.